On pense souvent que c'est Thomas Hobbes qui a écrit le premier L'homme est un loup pour l'homme, mais en fait, non, le premier qui a écrit ça, c'est un auteur latin, Plaute. Et en fait, la citation complète en fait de Thomas Hobbes, qui est beaucoup moins connue, est beaucoup plus intéressante. Il a dit, à l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, à l'état social, l'homme est un dieu pour l'homme. Mais alors, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui nous fait basculer vers la coopération ou vers l'égoïsme? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi l'humain est un coopérateur conditionnel. Qu'est-ce que c'est déjà un coopérateur conditionnel? Eh bien, c'est quelqu'un qui coopère, d'accord, mais quand il fait ce qu'on attend de lui, si les autres le font aussi. Et puis, ben, si les autres le font pas, si la majeure partie des gens ne coopèrent pas, eh ben, il arrête de coopérer également et il joue pas le jeu. Alors, comment on va montrer aux autres enfin, on va montrer au groupe que les autres jouent le jeu. Alors pour ça, il y a eu des études très intéressantes hein, et la théorie de la vitre brisée hein, de Wilson et Kelling, c'est donc l'idée de montrer que la propreté d'un lieu collectif a un impact sur la coopération des acteurs ou alors, au contraire sur la non-coopération. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas simplement parce que tout le monde a bien jeté ses papiers dans la poubelle que tout le monde va jeter ses papiers les suivants dans la poubelle, mais aussi, eh bien, ça va aller au-delà avec une influence sur les taux de délinquance. En fait, les travaux de Keith Kaiser, donc et de tous ses collègues à l'université de Groningen aux Pays-Bas, eh bien, a été particulièrement intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont posé des prospectus sur des vélos, donc ils ont attaché. Ils ont mis sur les vélos, et il n'y avait pas de poubelle à l'horizon, et donc il y avait simplement un mur dans lequel il y avait marqué graffiti interdit. Alors, premier cas de figure, eh bien, il n'y avait pas de graffiti, effectivement, et puis dans ce cas-là, eh bien, il y avait quand même un tiers des personnes, à peu près, qui jetaient par terre le prospectus, mais les deux tiers qui ne le jetaient pas par terre. Par contre, lorsqu'il y avait des graffitis, donc en fait finalement que le mur était sale et qu'il y avait plein de choses effectivement, eh bien là les statistiques se sont inversées. C'est-à-dire qu'on avait 69%, même un peu plus que les deux tiers, qui jetaient le prospectus au sol sans faire attention parce que voilà, le reste c'est déjà sale, etc. Alors après, ils ont fait une deuxième étude avec les boîtes aux lettres. Et dans une boîte aux lettres, eh bien, il y avait une enveloppe contenant des billets de banque apparents. Donc on voyait un peu les billets de banque dépasser de l'enveloppe et dépasser de la boîte aux lettres légèrement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si l'environnement était sale, il y avait plus de gens qui volaient. Et si l'environnement n'était pas sale, eh bien, il y avait moins de gens qui volaient. Alors c'est un peu contre-intuitif, mais ça montre effectivement différentes choses. D'ailleurs, vous voyez la photo du bas, eh bien, c'est la photo du métro de New York qui a été nettoyée, où les graffitis ont été nettoyés, etc. Et donc, ils ont nettoyé l'ensemble. Il y avait beaucoup de délinquance, un peu. Eh bien, ça a baissé à la fois la petite délinquance, hein, les gens qui sautaient, qui jetaient un papier par terre, qui insultaient quelqu'un, etc. Mais aussi la grande délinquance, parce que les pourcentages étaient constants. Et donc, en fait, eh bien, simplement en nettoyant le métro, eh bien, ils ont réussi à faire baisser la délinquance. Donc voilà, cet aspect, il est extrêmement intéressant. Alors, comment on peut le faire dans notre cas de figure? Parce que nous, on veut rendre visible la coopération, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que la coopération, elle est aussi en ligne, elle n'est pas simplement présentielle. Donc, on peut nettoyer la salle si on est dans une salle, on peut avoir une salle propre plutôt que pour coopérer mieux. Mais en général, eh bien, on va voir qu'est-ce qui peut jouer ce rôle de la propreté. Et donc pour ça, il va falloir quelque chose dans la coopération qui montre que les gens coopèrent, mais y compris à distance. Donc la propreté, c'est un peu moins adapté, mais on a une chose, on a quelque chose de très intéressant. C'est la bienveillance. La bienveillance, eh bien, lorsqu'on est bienveillant, quand les autres sont bienveillants, eh bien naturellement, eh bien, on va soi-même coopérer et même être plus bienveillant. Le pourcentage de bienveillance va augmenter. On avait parlé d'en développer la bienveillance dans votre groupe avec Olivier Hoffel, qui nous avait présenté tous ses travaux sur la bienveillance. Et effectivement, on voit qu'il y a pas mal de choses. D'ailleurs, il nous avait présenté l'échelle de la bienveillance. Et pour ça, eh bien, on va essayer de voir comment on va rendre visible la bienveillance. Alors, la bienveillance, effectivement, elle peut être réactive, simplement, ben voilà, je ne dis pas de mal. Hein, bon, là, on voit plutôt, on rend visible la malveillance, mais on peut aussi faire la bienveillance proactive. Alors pour ça, eh bien, je vous propose trois choses. D'abord, ne pas mettre beaucoup de règles du jeu. Alors, en général, je vous avais dit de mettre non pas une grande charte que personne ne lira jamais, hein, à part la personne qui l'a écrite, mais quelques règles. Et si vous en mettez une, ben, c'est la bienveillance. Et puis on avait vu deux ou trois règles grand maximum, hein, la règle des deux pieds, par exemple, on en avait parlé, etc. Mais voilà, si vous n'avez qu'une seule règle, mettez la bienveillance. Et puis n'en mettez pas plus que deux ou trois pour pas noyer cet aspect de la bienveillance, pour que ça soit présent quand même à la tête des personnes.
Et puis l'idée, c'est donc de faire cette bienveillance proactive, cette malveillance, donc qui n'est pas simplement une non-attention de malveillance hein, dans l'échelle justement que Olivier nous avait présentée, mais une attention vraiment portée à autrui. C'est-à-dire que quand les gens disent, bah tiens, finalement, ah, oui, tu as une difficulté, je vais t'aider, eh bien, ça se voit et ça fait effectivement boule de neige, puisque en fait, on va montrer que d'autres coopèrent. Et puis, s'il y a de la malveillance, malgré tout, eh bien, alors la malveillance ou des tensions, parce que les tensions, elles amènent souvent de la malveillance, hein, malheureusement, eh bien, c'est important de pouvoir affirmer que l'affirmation de soi soit le plus bienveillant possible. On peut être en désaccord, mais on n'est pas forcément obligé, d'ailleurs, d'être malveillant pour ça. On peut essayer de résoudre notre problème de façon bienveillante. Et puis, si jamais, bah, effectivement, il y a de la malveillance, ça arrive, c'est important d'expliquer que c'est exceptionnel et que la règle de base, en général, c'est plutôt la bienveillance pour que les membres de votre groupe comprennent que, en général, eh bien, la plupart des autres personnes coopèrent. On n'a jamais 100% de gens qui coopèrent. On a toujours un peu des fois, on peut avoir un peu de malveillance, on peut avoir des trolls, on peut avoir plein de choses. Mais finalement, eh bien, montrer que, en règle générale, la plupart des gens coopèrent pour inciter effectivement chaque personne à plus coopérer plus facilement. Alors à vous de jouer. À vous de jouer, vous allez expliquer donc la bienveillance dans votre groupe. Et la bienveillance, ce n'est pas simplement un truc pour que ça soit plus agréable. Bon, c'est quand même plus agréable, tout le monde n'est pas en train de s'engueuler, hein, donc c'est quand même mieux, effectivement. Mais c'est extrêmement aussi important et c'est vraiment une règle très très importante pour créer un cercle vertueux de coopération conditionnelle. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un coopérateur conditionnel, eh bien, on va avoir besoin de montrer aux autres que les autres coopèrent. Et pour ça, eh bien, la bienveillance est vraiment notre outil de base au niveau de la coopération, pour la coopération conditionnelle et pour inciter le maximum de gens à coopérer dans votre groupe, pas simplement au niveau de la bienveillance, mais même aussi pour la participation, pour plein d'autres aspects qui vont naturellement se développer à partir du moment où on aura, un peu comme la propreté des lieux, eh bien de la bienveillance un petit peu en général dans nos échanges. Alors, vous pouvez me mettre aussi en commentaire eh bien, comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez beaucoup de bienveillance? Est-ce que ça fait un effet, un cercle vertueux? Est-ce que vous avez au contraire beaucoup de conflits? Est-ce que ça crée par exemple un cercle vicieux? Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, un like, de manière à pouvoir aider les algorithmes à rendre ces vidéos plus visibles. Et je vous propose aussi de télécharger, si vous ne l'avez pas encore, le guide de l'animateur, 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.